Hey, je suis de retour pour plus de Monster Hunter 3. Et aujourd'hui, on chasse le Giganox et le venin progressif et la troisième Kiklet. Je dis tout le temps Kiklet. Enfin, oui, fait que faisons là pour pouvoir aller chasser à l'Atrion et avoir les quêtes à 6 étoiles. Fait que c'est ce qui est ça. Je pense que j'ai tout pris. Qu'est-ce que j'avais à prendre? Je sais pas, j'ai pas regardé. Ah! Eh oui, tiens, on va continuer de les capturer, pourquoi pas? Toujours avec mon armure d'Arknactor, mais cette fois-ci, on a pris la lance d'Arknactor. Ce n'est pas, c'est loin d'être les plus, une des plus fortes lances du jeu, mais en dégâts, on va apprendre quand même. Élément de feu, toujours bien, c'est fort contre Giganox. Mais il faut que je prenne un breuvage chaud. Mais il n'y a pas beaucoup de tranches, hein? C'est ça son gros point faible, je trouve. Selon moi, équipement, lance, feu, Arknactor. Le tranchant est une petite schnapps de bleu. Ce qui n'est pas très bien, mais j'ai le talent. Comment il s'appelle en français? Samouraï. Oh my god, c'est pas pareil. Samouraï, qui s'appelle. Ah. Bon, en tout cas, j'ai ce talent-là qui me permet d'avoir plus de. Qui double le tranchant, si on veut. Mais pas de la façon que Sharpness plus 1 le fait. J'ai oublié d'apporter des torches! On peut pas vraiment en apporter. Mais les gars, j'ai oublié d'aller les prendre! Petit Giganox, tu pourrais-tu crier, s'il te plaît? Merci! Hein, on va avoir plein de boules d'explosion pendant cette quête. Là, ça va faire de la lumière. Non, ça n'en fait pas vraiment, mais coudonc! Bref. Arrête de sauter! Tu vois bien que tu peux pas t'accrocher sur le mur. Fonce-moi dessus à la place. Merci! Faut tout que leur dire. Ouch! Tu ne m'as pas eu. Je suis content que tu ne m'aies pas eu. Oh oui, c'est vrai. On peut pas, avec une lance, bloquer son poison. Ah, je devais l'avoir déjà dit. Il me semble que je l'avais tué avec une lance la dernière fois. Mais grand, déjà, j'ai perdu la puissance de l'arme. Oh, 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 tu ne m'as pas eu, mon salaud. Fait que je prenais pas la peine d'exer mon arme à chaque fois. Parce que sinon, je n'arrêterai pas d'exer mon arme. Mais coudonc! Ok, qu'on peut l'exer tout de suite. Non. Oui, qu'on pourrait quasiment. Mais il y a un créateur. Fait que c'est pas si grave que ça. Ah, arrête de sauter, partouz! C'est pas bien faire des partouz. C'est à discuter. Ouch! Ok, on va arrêter de dire des conneries. Malgré que c'est plus fort que moi, je suis pas capable d'arrêter de dire des conneries. Mais coudonc! Je vois toujours rien, il y a plein de boules mauves partout. J'aime mieux les boules de feu, parce que ça veut dire que je massacre. C'est toujours bien qu'on massacre un Giganox. Non, 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 c'est toujours bien. Crier le mot non, ça l'aide toujours. Parce que si vous faites, ça marche pas. Faut que vous disiez non, 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 comme ça. Là, tu te tasses, puis là, t'essayes de pas te faire pogner par la boule d'explosion de poison qui vient de chier. Désolé si vous n'aimez pas les mots que j'utilise. Fonce-moi dessus. Tu m'as même pas pogné. T'es bien pourri. Et toujours insulter un Giganox, ça marche très bien. Parce que il finit par faire ça. Et t'as pogné parce que ça m'a l'air que j'étais pas du bon bord. Parce qu'il faut être du même bord que lui pour que ça marche, même si ça fait aucun sens. Mais coudonc! Ça fait du. Ben non, ça fait pas de sens. Ça a aucun rapport avec où c'est qu'il te pogne, faut que tu sais. Du même bord que lui. Bon. Même bord, faut que tu sais comme ça, face à sa face. Mais là, regarde, j'ai expliqué ça, puis je me suis fait empoisonner. C'est à cause de vous. Je blâme tout ça sur vous, même si vous avez aucun rapport ici. Aucun rapport dans la quête, si on veut. C'est un rapport dans les vidéos que je fais. Oh my god! Ok, go! Équipe ton arme, parce que c'est bien évidemment ça qu'il fallait que tu fasses. Et pas te guérir, voyons donc. Non, ne va pas au plafond. Parce qu'on te voit quand même à cause que t'es brillant mauve. Ou rose. Mauve, rose. On s'en fout des couleurs. Je vais dire que c'est rouge, ok? Fait que c'est rouge à partir de maintenant. Viens montrer tes beaux yeux rouges. Il n'y a même pas d'yeux, qu'est-ce que je dis là? Le Giganox est attiré par la chaleur. C'est comme ça qu'il repère ses victimes et qu'il essaie de chier dessus comme ça. C'est jamais bien, mais coulons! C'est comme ça qu'il roule. It's how I roll, bitch! C'est comme ça
comme ça qu'il parle le Guinox. OK. Et ça m'a l'air qu'il parle anglais aussi. Mais coudonc! On va arrêter de faire ça. Je l'ai dit que je n'étais pas capable de pas dire de comme... Hey, ça fait juste trois fois, là. Tu veux faire trois boules deux? Trois boules deux. Il y a plein de guigui à terre! Ah! Je veux pas me faire sucer mon sang. Malgré que... OK, arrêtons. Je dis arrêtons, mais je sais que j'arrêterai pas. Bon. Ah! Est-ce que je devrais aiguiser mon âme vu qu'il fait rien en ce moment? Tournons, tournons, tournons. Je tourne autour de son ombre. Qui est un beau cercle. Qui est un beau cercle. C'est juste ça que c'est. Hein? 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 C'est juste moi là qui viens d'halluciner qui a rien fait? T'es supposé d'avoir un... Oh my god, il... Ah, c'est à cause qu'il y en a trop! Il peut pas en faire d'autres! Oh my god, c'est la première fois que ça m'arrive! Je pense... Ça doit être la raison. Je sais pas, ça l'a bugué. Glitch! Oh! Oui, il y a une raison. J'ai juste pas pensé. Est-ce qu'il en avait trop? Est-ce qu'il en avait pas trop? Je sais pas. Je suis encerclé de Guigui en ce moment. Ils sont chiens parce qu'ils peuvent t'empêcher de contrer. Bon, ben gars, je me fais pogner tout de suite. J'étais pris dans son aile. J'ai même pas essayé! Mais dans la vie, il ne faut jamais abandonner. N'abandonner jamais! Ah ouais, saute-moi dans la face, qu'on en finisse. Saute-moi dans la face. Tiens. Tiens, je sais que j'ai dit qu'il fallait être du même bord que lui, là. Pas toujours. Souvent, c'est la bonne façon. Oh, il est petit! Mais si vous avez pas remarqué, les Guigui ont peur de moi, c'est à cause que j'ai aura de feu. Fait qu'ils viennent très rarement me sucer mon sang. Je sais pas s'ils viennent souvent sucer d'autres choses. Mais coudonc! Est-ce que je devrais prendre mon herbe, malgré que c'est mes cinq derniers herbes? Fait que je devrais les économiser, voyons. Si je veux devenir fou, je vais toutes les prendre pendant à la Trayon. Tiens! La seule raison pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que je voulais être l'autre bord. Pourquoi? Je le sais pas. Parce que je voulais pas... Ah, non, je sais. Hey, je suis rendu que je le fais inconsciemment. J'ai fait ça pour aller l'autre bord, pour pas qu'il saute dans la porte. Parce qu'il a tendance à toujours sauter dans la porte, le maudit. Mais là, on va prendre une chance qu'on va le massacrer. Oh, 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 oh! Ah, je pensais que ce serait... J'ai essayé, je n'ai pas abandonné. Ah non, il saute, déjà. Ah... Trop rapide pour moi, Guignos. Ah! Pourquoi tu me sacres? Ah, mon salaud! Je t'haïs! Non, c'est pas vrai. Je t'haïs! Oh! Bonjour, petit minéret. Voudrais-tu que je te mine? Oh, j'en ai. Je savais même pas que j'avais des pickaxes. Et ça marchera pas. Je me suis tassé trop vite pour toi. Ah, je te tire. Oh! Je me suis fait quasiment massacrer par ça. C'est très rare que ça nous tombe dessus, ça, sauf que ça l'arrive une fois de temps en temps. Oh, est-ce que tu aurais faim par hasard? Non? Vous avez jamais faim, vous autres. Moi, j'ai faim. Et ça fonce-moi dessus. Je le sais. Je sais tout. Sauf ça. Pis ça. Pis tout, dans le fond. Tiens, les chiens recommencent à choper. C'est bien. Non, pas vraiment. Bon, je compte ça, mais ça sert à rien vu que ça a donné un coup de vent. Si t'aurais un talent qui pourrait t'empêcher de te faire pogner par le vent, ça serait efficace d'abord, mais pas maintenant. Ouch. J'ai eu les champs de force, mais c'est parce qu'il y avait un mur. Tiens, ouais. Regarde mon bec. Non. Saute-moi pas en face. Faut que tu sois contre sa face. C'est ça, faut pas que tu sois dans sa face. Ah, les gars, je me suis tout perdu. Viens pas me voir, toi. Tu veux, voudrais-tu, s'il te plaît. Salaud, j'avais dit de pas venir me voir. T'as failli me faire manger. J'ai failli me faire manger par un Guignox à cause de toi. Ouch. Puis là, je n'écoute même plus le son. Puis là, j'étais perdu à cause que j'étais trop. Et là, blablabla, ça veut tout dire. Saute! Non! J'ai eu tellement peur que le baggy me saute dessus et qu'il gâche tout. Mais il a pas gâché tout. Une chance. Parce que sinon, il aurait été sur le barbecue. Bon, c'est ça.
fait essayer de m'attraper pendant que je me guéris que j'accroche mon micro. OK? Comme ça, tout le monde va être content. Happy! Let's hear it! Happy! Je suis en train de dire n'importe quoi. Oh, oh, c'est du poison que tu fais. Tiens, dans ta face, dans ta face, dans ta face. Encore du poison? Bon, c'est bien, ça me donne 3... Oh, 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 là, je suis trop proche. 3 coups gratos en face, j'en ai eu 4, en fait. Du coup, ce qui est petit. Tu sais que tu t'en vas, comme ça? Comment... En pleurer, j'accroche le micro tout le temps à cause que mon nez me pique. Je suis triste. Triste. On va continuer de courir en innocent, hein, après un Giginox qui ne veut pas mourir. Et où c'est que tu t'en vas comme ça, mon cher? Je suis ici. Tiens, 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 tiens. Wow! C'est-tu parfait, ça, faire des petites danses de même. Ah non, résistance au froid! Je sais pas pourquoi j'ai contré ça, c'est stupide de ma part, mais pas grave. Résistance au froid est disparu mystérieusement. C'est le temps de se droguer pour être au chaud. Tiens. Tout va bien maintenant. Il ne s'est rien passé. Et on va pouvoir continuer à frapper le Grinox jusqu'à temps qu'il meure. Et qu'il fasse absolument rien au plafond. Bon, bon, comment a été votre journée aujourd'hui? Moi, ça a été très bien. Bon, oh, bonjour. J'espère que vous autres aussi, ça a été très bien. Ah, maudit Bna Habara! Tu mérites de mourir. Je te dis, pas toutes les Banahaba qui méritent de mourir. Les Bahanaba. Bahabaha. Ah, je t'ai brisé tes affaires à la face vu que c'est pas tes yeux. Mais écoute. Bon, encore parti au plafond. Oh my god, t'as été plus rapide que je pensais. Malgré que. Ouch, ouch. Le kazoo est bien plus frustrant quand il part au plafond parce que. Il peut rester là assez longtemps. Fait qu'ils ont un petit peu réglé ce problème-là avec Giginox. Sauf que c'est pas un Kazoo, un Giginox. Un Giginox, c'est un Giginox. Mais coudonc! Non. Très juste à. À te garocher à. Oh, ben. Je l'ai. Merci de me faire voler. Toi, t'es gentil, Giginox. Pas comme une Banahabra. Toi, t'essaies de me sauver la vie. Wow! Faut bien qu'il me se garoche dans ma face. Il peut pas... Pas s'en... My God, que ça sonne crash. Coudon! On va vivre avec ça. Hey, on s'est guéri maintenant. C'est moi ou ça a l'air bizarre, ça? Allez, gars. Ça doit être moi. Moi qui vois tout bizarre. Non! Est-ce que c'est mon dernier monstre que je chasse aujourd'hui? Peut-être que oui. On va continuer une autre fois. Parfait! Un coup dans l'aile, un coup dans la face, un coup dans l'aile, un coup dans la face. Pourrais-tu, s'il te plaît, arrêter de faire cette maudite attaque-là qui fait juste perdre du temps? Je te dis. Coopère, s'il te plaît. Oh, et c'est vrai, j'ai affinité plus 20%. Mais vu qu'on ne voit pas vraiment que je fais un... Oh. On voit pas vraiment que je fais un critical à cause que j'ai l'élément de feu aussi qui gâche toute l'animation. Mais c'est supposé de faire... Normalement, ça fait juste un petit... petite étincelle jaune, un petit peu, si on veut. Quand on fesse normalement, puis il y a du sang qui sort. Ça fait pss, pss, pss. Mais avec... affinité plus quelque chose, là, plus n'importe comment de pourcent, ben quand tu fais un critical hit, ben, ça fait une autre animation qu'on peut pas vraiment voir à cause que je fais l'élément de feu. Mais, coudonc, oh, il a faim, il a faim. You hungry, you hungry. Je sais que ça en va. Nahabra, pense-y même pas. Je ferais-tu mieux de shit? On va prendre un steak à point, tiens, on prendra pas de chance. Nahabra, sac-moi patience. Malgré que là, ça m'a aidé un petit peu. Vite, 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 faut pas le laisser aller manger, sinon ça va nous faire perdre du temps. Peut-être 2-3 minutes. Non! Ne mange pas! Comment oses-tu manger? Malgré que ça me donne des coups gratuits en ce moment. Beaucoup de coups gratuits, beaucoup de coups gratuits. Devrait crier à plus après, fait que... Ah! T'as-tu gâché?
Après ça, ça va dans les airs. Bon, au moins j'ai eu des coups gratuits. Et ça saute en bas, que je continue de te frapper. C'est ça que j'haïs quand il s'en va dans la porte de même, là, en sautant comme un con. Mon petit con. Il fait souvent peur de ça. Pour que je rentre. Ah non! Donner un coup de pied. Ok, bon. T'as eu peur, hein? Tu l'as pas un coup de pied en face. Ah! Bon, j'attends. J'attends que tu descendes. Je ne suis pas patient. Ben oui, c'est ça. Bla bla bla. T'es sans tomber maintenant. Aïe, down! J'attends que tu brilles. Sois un brillant petit monstre. Tu vas voir que tu vas pas apprécier trop ça, être brillant. C'est bien de ne pas être brillant dans l'univers de Monster Hunter. Parce que si t'es brillant, ben tu risques de te faire capturer. Puis de mourir dans une arène. Où c'est qu'il y a plein de chasseurs qui viennent chasser. Avec même pas de leur équipement. Eux autres. Je sais que t'aimes ça sauter n'importe où, là, mais... Il faut se calmer un petit peu des fois. Il l'a bien pas fait longtemps, il me semble que d'habitude il fait plus longtemps que ça. Peut-être parce qu'il est enragé. Comme moi en ce moment, je suis enragé. Ah, je l'ai manqué deux fois. Oh, moi je l'ai pogné la troisième fois. Et saute-moi en face, mon gros. Ça sonne bizarre, mais c'est pas grave. Parce que ça rime pas pantoute. Oh! Oh! Aïe donc! C'est vrai, c'est élastique, cette maudite cochonnerie-là. Comment pourrais-je oublier ça? Comment c'est élastique? Même pas besoin de bouger, il s'en vient tout. Oh, il est rendu brillant! Mon petit brillant, Gignox. Je savais que tu étais brillant! Sautons comme un Superman! I'm Superman! C'est plus Diddy Kong, ça. Mais les gars! Non! Pourquoi à chaque fois que je pose une trappe, il faut qu'il saute dedans? Ah, tout en me tuant. Ah, les maudits salauds de Baggy. Oui! Tu es capturé! Je te saute! Je saute sur ton corps! Je passe au travers de ton corps, même! Hé, mon petit Baggy, hein? T'as l'air con, maintenant, hein? Maudit innocent! Hein? Où es-tu? T'es là, toi, hein? Vite avant que la quête finisse! Oh oui, ça tourne aussi, ça! Ça tourne! Ça tourne! On le voit pas bien. Attends une minute. Hey, arrête-toi! Merci. On va aller par là, ben, que la stamina c'est au max. Go! On charge! Tout en tournant. Ça tourne! Ça tourne! Ça me fait devenir fou, bon. Ça l'hypnotise, pas vraiment, mais c'est pas... Oh! On est rendu dans un mur. On a changé de zone. On voit plus rien. Mais c'est pas grave. Parce que la quête est complétée, puis elle va finir drette là, c'est fini, nos fournitures sont pas rendues. Il y a un Guigui qui est tombé du ciel, qui a terminé. Et je suis en retard sur tout ce que je dis, mais c'est pas... Parce que je sens un monde qui souffle. On prend des cochonneries qui serviront probablement à rien. Peut-être l'extrépole va servir à faire des méga demon drugs. Mais non! Étourdir plus 9, tiens, ah ouais, non. Chaleur plus 5, on s'en sac. Ah ouais, fini, on fait ça. On prend du cash. On est rendu à 96! Puis on a fini la mission! Ben la quête. Il nous en reste deux. Rathalos et Agnaktor. Après ça, on va faire Alatreon. Mais d'ici là, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Et on va se revoir pour plus de conneries la prochaine vidéo. Oh my god! Que ça se peut pas. Mais les gars, bye bye!